c'est pas bagaille qui facile, surtout l'on choisit dit vérité. Vérité a qu'on fait mal, mais nous toujours dit son holocauste, son sacrifice qu'on fait, son choix qu'on fait dans la vie. Il y a une politique, il y a une presse là, de tous côtés. Il y a des gens qui ont dit menti, il y a des gens qui ont dit vérité. Les gens qui ont dit vérité, c'est qu'il y a plus acculé dans la société. Parce que c'est vérité qui est plus difficile pour dire. Encore merci. Il y a deux bagailles. L'homme dans des collègues qui caractérisent le gouvernement. Il y a un premier bagaille, c'est mensonge. Ni sénateur Nenel, ni sénateur Kato, ni sénateur Ricard sont développés mensonges. Mon deuxième bagaille qui caractérise le gouvernement, ça, c'est incompétence. Ouais. Incompétence dans la mesure où vous avez responsabilité pour acquitter de responsabilité. À chaque fois, la question pour autant de voir, ou bien intervenu très malement, ou du moins pas intervenu du tout. Le président, c'est gérer politique pays. Si tu as l'armée, c'est question défense. Et le troisième rôle là, bon, plus grand qu'il a, c'est diplomatie. Chaque fois qu'il y a une crise politique dans n'importe pays, pour les gens qui ont l'école politique, je dis bien pour les gens qui ont l'école politique qui compte politique, depuis qu'il y a une crise politique, c'est le président qui obligatoirement est venu. Je dis à une crise pétro-caribé, il n'est pas sans savoir que le président est venu très malement. Il vend vote à Paris, côté il dit que c'est persécution politique, mais ça veut dire qu'on est qui a un comportement ça comme chef d'État, il n'est pas sérieux. C'est ou bien le pas sérieux ou bien les compétents. Donc pour les gens qui croient dans le Jovenel, ils croient le sérieux. Moi, je pense que c'est incompétence. Parce qu'il y a une incohérence grave. Même président devant Diaspora à Paris, il dit que c'est persécution politique. Et puis il rentre en Haïti, il y a deux, trois pressions sous dol, et puis il dit quoi, changer. Même président dit que l'aller dans FMI, il signe avec FMI, il prend un petit monnaie, qui pas même qu'à faire tronçon de route. Il prend responsabilité que le bras le monte gaz là. 6, 7, 8 fêtes, et puis même président encore monté pour dire me faire bac sur monte gaz là. C'est que monte gaz là pas obligatoire, il était l'autre possibilité dans elle. S'il était l'autre possibilité pour qu'il pas utiliser deuxième facette là, il est obligé de monter quand même pour montrer le degré des compétences. Je dis, moi dis plusieurs fois dans la presse, et collègues dit, l'autre est croisé au monde dans la rue, il était sans diplôme. Il doit chercher un côté où mettre. Je dis en majorité jeunes qui prennent les Chili, ils ont une enveloppe jaune en bas bras. Ils ont parti à 2000 dollars américains et 3 Canadiens ont parti à un diplôme. Ils ont parti à licence. Jusqu'à aujourd'hui, j'entends le discours du président de la République qui prend responsabilité que crème pays a quitté le pays. C'est que puis devant, nous parlons de carence de ressources. Les tout le monde qui vient former l'université, l'État paye pour yo. En pile, ils passé dans l'école nationale, pour venir passer dans le lycée, ils pas payé 5 ans, des fois pour formation. Yo. Et puis, ils parti qui était payé avec diplôme. Que l'État, il a passé misère dans le pays Chili. Il un pays qui part dans l'agenda nous pour nous aller. Je dis à l'ouverture des classes, sénateur Kato saute développé, sénateur Ika passé sous le sénateur Nene Palel. Autant de combats débloqués, mon baka dit qui discours. Naïe mon moun dit qui discours, président, face à l'ouverture des classes. Parce que pour parler d'ouverture, il faut tenir compte de fermeture des classes. Toi, ka petit moun yo, gen kane yo, dans la direction de l'école, yo baka brayo. Parce que yo doué, longtemps, l'on a vivre dans le pays d'Haïti avant l'ouverture des classes, ou gen des travaux de haute intensité de main-d'œuvre qui fait pour permettre parents au minimum pour capable acheter livre ou petit yo. Est-ce que nous te wel? Non. Jusqu'à présent, ça veut dire que c'est incompétence. Crise universitaire. Je dis, même problème qui était dans la faculté de médecine, là, il était là. Même problème qui était dans l'ethnologie, il était là. Est-ce qu'ils ont l'autre budget? Est-ce qu'ils ont l'autre politique qui fait par rapport à l'université? Zéro incompétence. Justice, c'est crise. Ce n'est pas nous non, qui fait enquête au niveau du Sénat pour nous dire juge corrompu. C'est président nous. Hein. Pas incompétence, lui campé, lui c'est le garant de la bonne marge des institutions, et puis le pro-institution républicaine qui c'est la justice, qui l'a pour juger tout le monde, et puis le campé au niveau international, toute télévision, radio, après, ça l'a dit, et puis il dit nommer 50 juges corrompus.
le président de la République. C'est que si pas de crise dans la justice là, président de pas déclaration, créons crise dans la justice là, chaque fois qu'on parle devant le juge, on compte son monde qui corrompu qu'on parle devant. D'où je dis, si on a demandé pour juger le monde qui corrompu, c'est pas juge ça, d'où nécessité pour faire une réforme en profondeur. Question santé, je dis, c'est clair, on va faire un paquet d'explications. Un sénateur de la République tombé dans le Sénat, premier côté pour porter sénateur, pour faire un signal par le monde entier, c'est dans l'hôpital général. Pas même l'hôpital privé, non, dans l'hôpital général. Un sénateur de la République, lui tombé, lui doit passer dans le même médecin que l'État formé pour montrer la capacité que le pays a gagné pour répondre à besoin de ça. Mais dans le monde entier, regardez-nous. Et que vous prenez sénateur, nous fouettons un avion, nous voyons le Miami. Ça veut dire que le président pas répondre pour dire à partir de ça qu'il sénateur n'a pas pas privé encore. Ma résoudre le problème santé dans le pays. Bien au contraire, l'on pas si c'est le président qui saute par un petit appareil pour dialyse. Pour un petit appareil pour dialyse. Et quand on est président, a fait promotion, by deux appareils pour dialyse. Chercher à comprendre combien au vent qui ça veut dire, qui est nous parler à l'hôpital si le président comprend ni que la palais d'un appareil pour dialyse. Éducation. Pas besoin d'entrer là-dedans. Ils sont développés, mais contrebande, dans le rentré là-dedans. Et sénateur a sauté fleurel. Quand il dit que les contrebande qui a fait sous frontière, rentrer sous frontière, bon minuit, après volume, conteneur qui sous frontière, capitaine, bien tard pour traverser. N'est-ce pas payé? Des fois, aussi citez nos députés, aussi citez nos sénateurs là-dedans, aussi citez nos ministres là-dedans. C'est que c'est des bagailles qui ont vu au-dessus de tout le monde. Je veux dire, qui responsabilité président républicain prend face à contrebande là? Or, nous avons fait promotion pour nous l'armée. Nous disons que l'armée nous a nous déjà créé l'armée. Maintenant, puisque la police est puissante, qui responsabilité l'armée prend sous frontière pour empêcher que contrebande fait? Nous, d'une manière générale, c'est incompétent. Ça entre la diplomatie, qui est la deuxième facette là. Au niveau diplomatique, qui s'embrasse le ballon nègre là? La résolution de Lima, qui était condamné l'élection, qui était trouvé, qui était antidémocratique, qui était fait au Venezuela. Le président de la République a été caché, il n'est pas de il est entré dans une véritable crise, nous disons son pays démocratique. Or, le monde entier condamné l'élection qui fait au Venezuela, comme on a pion. Et finalement, Haïti, comme état indépendant qui croit dans la démocratie, nous pas signé la résolution de Lima. Maintenant, puisque trois camoun dans bloc là, t'essayer résolution ça, sous prétexte qu'il y a des problèmes dans l'élection au Venezuela, il y a pas le temps à OEA. La livre dans OEA, qui sa président fait? Gros crise Venezuela, les États-Unis d'Amérique, Haïti, la lose. Ça veut dire que Haïti a un choix pour choisir entre l'histoire et la force politique. États-Unis qui veto, le Conseil de sécurité, en tant que puissance, ou t'as une possibilité pour choisir. Venezuela ou dit son ami ou des possibilités pour choisir. Finalement, Haïti n'a pas choisi ni l'un ni l'autre. Nous perdons les États-Unis par sa force politique et diplomatique. Et nous perdons Venezuela avec l'histoire que nous avons fait dans l'amitié que nous avons avec. Chine, Taïwan. Mon qui plus profane dit que l'Afrique a développé à partir de la Chine. Qui raison nous choisit Taïwan là? Son droit président pour choisir ça. Mais ils ont droit tout pour responsabilité, ils ont responsabilité pour expliquer la nation pour qu'ils sachent choisir Taïwan. Qui s'est fait en termes d'enveloppe entre Taïwan et la Chine? Qui enveloppe qui était plus considérable? Qui avantage que jouent dans Taïwan plus par rapport à la Chine? Qui avantage que le pays a dans la Chine? Qui avantage que dans Taïwan? Balancer les deux, il faut le dire nous clair pour qu'ils sachent choisir ça. Ni pas faire ni l'un ni l'autre. Et je dis à tourner sous Taïwan. Pendant que Santo Domingo fait deux coups, pendant nous fait deux coups crétés. Un, Venezuela, États-Unis, Santo Domingo voté pour États-Unis. Chine, Taïwan, Santo Domingo voté pour la Chine, libre deux puissances sur nous. Dans deux votes, nous perdons deux puissances. Or, puis devant, nous parlons pour le ministre juste aller. Il y a cinq mouns, par contre, si ma baye menti, qui ont le droit de veto, pas vrai, au niveau international. Dans deux votes, nous faisons perdre deux là-dedans. Or, pour nous demander pour le ministre Jussal et puis devant, nous pas capable de yon ou l'autre dans votre salon. Or, nous déjà gagné deux que nous alliés, nous perdons tous deux. C'est que nous sous occupation, sous chapitre que nous y là, nous pas besoin de sortir sous lui. Encore, c'est crétinisme absolu. Mais dans le rapport qui nous fait au niveau affaires étrangères, nous exactement passé. Nous mettons tout le monde dehors, dans la commission,
que ce soit commission finance, affaires sociales, agriculture, affaires étrangères, c'est le moment que tu as un problème au niveau exécution protocole que nous avons signé avec la République dominicaine sous question rapatriement. Nous avons fait sortir de Santo Domingo pour rencontrer toute autorité République dominicaine pour nous débattre de questions ça. Et puis, quelques jours après, ils ont dit que nous n'avons pas mérité espace affaires étrangères. Nous avons un journaliste qui l'a accrédité au Parlement haïtien. Dis-moi de temps que nous sommes là aujourd'hui, qui ça nous gagne comme travail qui fait au niveau affaires étrangères. Diplomatie nous à zéro, révocation faite de façon arbitraire, or nous te soumettons au plan de réforme. Je dis à 5 mois d'arriéré salaire. 5 mois, yon moun ka vive dans pays étranger, chaque 19 mois, doit payer billi, yon dis à yon doué mission diplomatique yon 5 mois. D'où maintenant qui situation que la vive, et sans compter Petro-Caribe, je dis à président, par contre qui discours pour le gagner face à Petro-Caribe, n'a dit bravo peuple haïtien. Que nous embrassons ces questions Petro-Caribéa. Bravo à la presse. En pile là, nous avons hésité parce que nous ne pouvons pas compter dossier à la privée. Mais finalement, le dossier est viral, il est endémique. Il prend tout le monde en même temps. Et si vous ne parlez pas de Petro-Caribéa, c'est où par la mode. Donc tout le monde a suivi le courant Petro-A. Il faut continuer à peser sur l'accélérateur. Petro-A, c'est bon blague, ce n'est pas politique qu'a fait. C'est 3,8 milliards de dollars. Qui te doit développer Haïti, Tisangela. Je dis, on n'a pas de qui a montré nous, on trace développement, route zéro, santé zéro, éducation zéro, environnement zéro, agriculture zéro, au niveau politique, c'est la corruption pure. Je dis, pour que ça, on est, on peut dire, continuer à avancer. C'est dans toute section communale, dans toute ville, dans tout quartier, en deux capitales, la forme où nous le fait camper. Il n'y a pas de doute là-dedans, il n'y a pas d'hésitation là-dedans. Ils ont dit que le jour où on va lever campé pour ça qui font mal ou pas moun. Et c'est sous ça, monsieur, te prend, ou libre de penser, peuple à zombie. Si son magie, il te fait magie à gâter. Peuple à bras là, oui, qu'on y a, il dit Petro, nous te dit budget, moun ne peut pas comprendre. Nous te dit monter gaz, moun ne peut pas comprendre. 6, 7, 8, peuple à te dit Jovenel Moïse ou bagay, comme nous ne pouvons pas faire 4. Nous bipéons. Nous bipéons, nous bon temps pour mettre 4 pour aller nous. Mais jusqu'à présent, quand on a parlé à Jovenel, donc on a le peuple à nous pour le dire. Nous, on a le peuple à organiser pour mettre 4. Et le peuple à mettre 4 là, après les Jovenel Moïse. Parce que 3,8 milliards de dollars, faut jouer un résultat, faut que l'argent s'arrive jouer un peuple là, faut développement fait malgré le fait en retard. Encore merci à la presse, le fait que nous t'ai accompagné. Nous m'a dit encore pour me renforcer conviction, sénateur. Cher ami, nous n'avons aucune négociation. Nous n'avons aucun gouvernement n'a participé là-dedans. Parce que nous campons derrière un principe que nous signons ensemble, n'a porté revendication au peuple haïtien. Sous premier ministre passé là, bravo. Un nouveau gouvernement arrivé là, passé, bravo. Même attitude qu'on nous gagne là. Fait bilan exécutif là. Mettez pression pour que au moins un minimum qui vient de société là. On le cause ça, nous choisir rentrer là-dedans, sacrifier ça, nous choisir faire. Et nous, bon nous garantis, nous avons crasé ma blague, nous avons maté ballon. Et fois ça, nous avons pris le temps. Réponse nous à la immédiate. Et nous dit Jovenel ça. Réponse là immédiate à partir de fin de parler aujourd'hui. Nous avons gagné 5-6 mois que nous avons là. Nous clair sur lui, nous avons parce que nous avons parlé de politique et de diplomatie. Monsieur, vous même. Yo tient à ce que chaque nèg qui a une responsabilité dans le groupe ça ba bilan travail qui sont réalisés. Et bien, mission que moi m'te gagné même fil accompli. Sénateur Nenel, comme on pas demander qui ça m'bral dit, mission m'accompli, n'a pas rapide. Nous pas qu'à quitter situation en Jalia et n'a solidaire avec médecins yo, policiers yo, collectivité yo et développement bral rive jeune yo parce que nous bral target Jovenel Moïse pour monsieur marcher. Parce que s'il n'est pas capable, ce n'est pas nous qui avons dit le retirer l'école, il faut la nécessité pour le retirer l'école. Constat que nous faisons là, son constat. Donc, on peut dire, à nous pour ça, l'exemple. Petro-Caribe dépassé Jovenel Moïse. Il dépassé Nek qui parlementaire. Il dépassé la presse haïtienne. Parce que pendant que nous avons écrit pour nous battre Petro-Caribe, il y a un article qui n'applique pas de l'autre côté. C'est signe que Petro-Caribe traverse les frontières. Une fois qu'il traverse les frontières, maintenant, il n'est pas dans le niveau Haïti encore. Et green bagage que moi n'ai pas regardé pour regarder les lois internationales,
des bons bagages faits en dollars américains, américains mettent venu là-dedans. Américains mettent venu là-dedans. Des bons bagages traversés aux banques nationales, là mettent venu là-dedans. D'où je dis, on a besoin de traverser les frontières, traverser les frontières. Toi, la corruption pas faite en goud, li fait en dollars américains, d'où l'international pour le mettre pied là, et le bail garanti pour le mettre pied. Tout ça, nous avons parlé de ces politiques. Nous avons tout n'est pas commencé de parler, tout n'est pas rentré dans la frise. Oui, je vais marcher. Nous-mêmes, les dit que la li bloqué le rapport là parce que les semblons bagaille qui ont utilisé pour vite faire persécution sous pouvoir. Mais est-ce que le président a le droit de bloquer le rapport? Est-ce qu'il a le droit de bloquer le rapport? Puisque des gars ont fait fête déjà. Qui, alors, c'est pour nous prendre ça rapport, oui. Maintenant, nous disons que dans le rapport, parce que les accusations fusent de partout, suivant qu'on est en ça, suivant qu'on est l'autre camp, chaque candidat nous pas mettre. Il pas dit après il pas bon mais nous on pas mettre nous pas mettre aussi quand ça dit on peut pas mettre l'autre, ça veut nous reconnaître que ça l'autre camp fait des autres, l'autre camp reconnaître que ça fait des autres. On a un rapport samedi, n'est pas souhaité que rapport quelque chose c'est la tête qui fait là et c'est la tête qui fait là. Je pas souhaité que rapport aller aucun côté parce que mon opinion à moi, le jour rapport ça arrive dans la justice, la tournée de la podium est fait boomerang. Tout nèg a prend la dedans, tout nèg a prend côté accusateur côté accusé. Or non concept dans nan gadou dans proposition nèg yo, yo pas fait le vrai comme si pour jouer nos justice, on justice gadou pour tout monde. Non nèg yo fait on bagay comme si di ka gagner notion de persécution politique là dans le vrai. Mais c'est pour barrer quelque monde, mais même doube c'est pas s'amuser comme peuple. Comme moun kap koute ki bezwen formation, bezwen pou bagay la a la justice pou sak alan, sak geton, et puis sak pa geton la justice, monsieur, et puis nèg la retourne à la vie politique, la vie civile, ni correctement. Mais si goun dénonciation ki fait, il prend, il fait international, il fait national, blanc, tout blanc, gade dans dernier bagay, dans dernier rencontre que ministre planification tap fait avec Banque mondiale, Bidio, la dit que de trop bureaucratie, était papasserie, groupe d'accusation qui a fait de même que des gens dit blanc, dit blanc, bida dit, et que y a trop bureaucratie, trop bagaille, trop papasserie, bagaille, ça qui est en train de corruption, tout va dire corruption, comme ça, vous comprenez? Il y a de mesurer moyen. Ça veut dire que la corruption est dénoncée mondialement, internationalement et nationalement. Ça veut dire l'arrivée non qu'à comme ça, qu'on voulait le coup pas vrai, si le président Jovenel voulait aider. Pays a aidé moun palio, qu'au minimum, le bâtiment a fait de l'eau, laisse pour jeter. Faut jeter, pour qui fait l'eau, pas pour que le bâtiment a été arrêté en l'aide d'eau. Mais moi, je pense que. Oui, président Jovenel, bon, il y a qui dit des victimes de gens qui ont pris le pouvoir, parce que c'est pour répéter ma haute, c'est tout. Parce que, l'Igo équipe avec elle, qui est cette équipe? Le premier rapport, il dit rapport attaqué. Tout le monde qui a coopéré avec le président Matéli, il dit, mais ça fait. Mais là, on prend l'autre monde dans le président Matéli, il dit, mais non, préval, mais tel bagaille. Non, il ne prend pas plutôt Caribé, mais on prend Sirla, comme qui a dévancé dans Sirla. Il dit, mais ça n'est que fait. Il ne prend pas privé, il reste comme ça. Il dit, mais n'est-ce pas privé, ça fait. Au juste, chaque nègre a tiré bon paillon. Mais peuple population, il veut se connaître vérité à côté lié. Au seul côté pour une vérité, c'est la justice pour aller. C'est la justice, devant la justice pour aller. Moi, bien, donc vous d'accord avec. Vous pas d'accord avec le président Jovenel qui dit c'est persécution politique. Non. Vous d'accord avec l'article que Ewol sortit. Oui. Pour le dire que la presse complice, puisque nous va offrir les podium pour y avoir dit ça, etc. Exactement. Maintenant, dans le gros podium, que tu es sûr, un peu de remercier pour notre tribune libio, moi, je voulais que, pour pas besoin de politiciens viennent défendre, mais pour un spécialiste, qui a des couleurs pour vous, ou des couleurs pour vous, mais vous des spécialistes qui viennent discuter pour faire pour tout le monde, ouais, côté vérité à Chita, mais et là, c'est politique, c'est que vous avez défendu le chapel. Vérité, je ne suis pas d'accord moi-même. Vous voyez, l'homme m'a discuté. Agronomie, m'a discuté agriculture. Mettez point de vue à côté. Vous n'êtes pas d'accord avec. Mais c'est pour venir mon point de vue technique qui peut nous pas d'accord avec. Même pas d'accord. Le point de vue économique, corruption, qu'on a discuté. Et pour venir une persécution politique. Public a besoin de l'information. Ça fait longtemps qu'on a pesé les magasins philistins. C'est lui-même qui parle couvrir. Et conférence
Merci. Comment nous raisons même? Qui t'a couvert conférence CSPJA? Il est de retour, il est en studio, il va être avec nous. À tout seigneur, tout honneur. Et pour le moment. Dans quelques instants, Mac Gerson pral dit nous, parce que ça c'était surtout intéressé pour nous connaître qui réaction CSPJ fait après grosse cause ça, président et Jovenel Moïse fait. Fernando Mboko a pris trop dans le dossier ça. On va rentrer dans le type de diplomatie. Nous pouvons pas. Fernando, c'est Fernando. T'as parlé avant. Hier, c'était hier. Bien que j'étais monté mon petit Jean réservé, du prêt tel bagaille, mais on t'a plein de choses. Monsieur Prudent. Monsieur Prudent, il va exposer, même il y avait, vous comprenez. Moi-même, je cherche la vérité, vous comprenez. Pas besoin de job, pas besoin de quoi. Ça, oui, même. Est-ce qu'on pourrait d'envoyer Fernando? Non, nous mesurer. C'est différent. J'ai pas donné 18 ans, monsieur. J'ai pris d'envoyer. J'ai pris d'envoyer en miné. Parce que j'ai parlé de pour le chef protocole qui était tiré, vient m'a connu le côté où c'était gros nég. Vous allez l'abdi, oui, m'a coupé, monsieur. Yes. Alors, donc. Côté nég qui soutient la confiance là. Il y a un bon côté maintenant. Il y a un chef qui a pris son nid. Pour pas seulement venir parler. Pour l'appui. Oui, pour illustrer, parce que moi, j'ai besoin de. Moi, dis-nous, d'après été sous fond. Si. CSPJ. Si le président Jovenel dit que c'est des juges corrompus au Badi, et que quand il y a un négo, si nous fait vetting là, on ne peut pas passer entre président Jovenel, le palais national, l'exécutif, parce qu'on n'a pas qu'à faire différence entre exécutif et parlement et législatif. Exécutif et législatif profond. Confondre. C'est deux pouvoirs qu'on a au cap, c'est judiciaire avec l'exécutif et le parlement réuni. Mais que non, judiciaire lui-même, les charges de problème. Les charges de problème parce qu'il ne peut pas prendre comme pouvoir. Oui, justement. Bon, et maintenant, si il ne peut pas prendre comme pouvoir, il faut que j'aille allier dans la presse là. Il faut qu'on vienne dans la presse là. Vous comprenez? Qu'on a c'est le quatrième pouvoir. Et c'est le pouvoir d'opinion. Il faut qu'on vienne chercher la presse là pour pouvoir asseoir. D'accord. Alors, vous avez demandé pour Mac Gerson, il est là, finalement. Mac Gerson. C'est un café gros poète. Même qui t'a allé. Où est-ce que gros poète, monsieur Mac Gerson a fait? Mario, gros poète. On va faire chaud à gros. Donc, la réaction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, elle était très attendue. Elle était très attendue et après qu'aucune chaîne déclaration ça, il y a des gens qui t'a quand même qualifié de déclaration de guerre que le président fait pouvoir pour le dire que il y a eu pression, il y a forcé de nommer des juges corrompus, etc. Et en fait, il y a fait grève, il y a fait toute bagaille. Donc, le président sentit un terrain conquis. Il sentit que Wadrel et la résistance est anéantie et que journée jodia, il peut se permettre de dire ça le vle avant que son auprès. Comment nous aimer? Oui, bonsoir Jean-Mouna et bonsoir Agonome William Michel. Oui, Agonome, et nous saluons Salam jeudi qu'il a tout. Et Jean-Dil là, Jean-Mouna, CSPJ réagit après la déclaration du président de la République là. Qui dit que c'est supposé se soumettre l'hélice juge qui gagne substance de corruption sous deux. Mais il faut que nous disions matin, et il y a sec dans le CSPJ qui est présent, le président Patla. Parmi eux, nous jouons Elibert Max qui représente le coup d'appel. Nous jouons Dilia Lemaire qui était sur le tableau.